Je voudrais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Marc Vidal, je suis coach, je suis également hypnothérapeute et je travaille effectivement sur les émotions, sur vraiment le fait de savoir comment pouvoir se défaire des mémoires et des émotions qui nous enquiquinent et qui nous empêchent de vraiment vivre notre vie ici et maintenant. Voilà. Et Martine? Et même Martine. Martine, je suis sophrologue et praticienne en massage énergétique vibratoire. J'utilise. Mes soins sont particulièrement traitants pour les mémoires et ce qui nous encombre aussi. Et je choisis de passer par le corps à la plus grande partie. Pour soigner ces choses-là, pour se libérer de ces mémoires, empreintes, croyances. Et j'accompagne dans le désert les personnes qui souhaitent profiter de la vibration de ce lieu pour se libérer, pour je dirais, connecter justement, puisqu'on vous amène vers retrouver le chemin de son âme, pour connecter bien plus particulièrement le cœur, le cœur de l'être, le cœur de l'âme, dans ce lieu qui a une vibration particulière et qui est loin de tout le brouhaha de la société. On est plus à même d'être à l'écoute. C'est une vibration plus pure aussi, puisqu'il y a beaucoup moins de choses qui s'y passent. On l'a pollué un petit peu, nous, mais en comparaison à ce que nous vivons à la ville, ce n'est pas comparable. C'est un lieu qui a une force particulière et qui amplifie notre travail. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie, à un moment donné, d'aller accomplir ce que la vie m'a demandé. Dans ce lieu qui pour moi a une forme de magie, a une puissance qui amplifie tout travail qui est fait. Ici, ça marche, mais dans le désert, c'est encore un petit peu plus particulier. Et voilà, j'ai invité Jean-Marc parce qu'il me semblait qu'on était un peu dans la même vibration, dans la même valeur, dans les mêmes... façon de voir la vie, le même sens, on donne le même sens à la vie. Et tout comme c'est plus, il me semble, et je crois que je suis assez juste là, que plus on est puissant. Tout comme un groupe d'ailleurs, le travail qui se fait en groupe, eh bien, quand on est plusieurs accompagnants ou thérapeutes en fonction du nom qu'on veut donner, dans cette énergie-là, on est et complémentaire, et il y a une autre puissance d'énergie, puisque c'est pas la nôtre, vous le savez, hein. On peut continuer à en parler de cette énergie. On se sert de cette énergie sacrée, pure, céleste, universelle, on peut l'appeler de comme on le souhaite. Et du coup, ben, y a plus on est nombreux avec cette énergie-là, plus on avance. Alors, j'aurais juste dire une chose. Si vous êtes en train d'écouter cela, alors on va rentrer dans le détail. Hein. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre du recul sur votre vie, vous poser des questions et vous avez envie de faire une pause. Ça, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens, tous les gens, beaucoup de gens qui viennent me voir sont dans ce moment où ils ont besoin de faire cette pause et on n'arrive pas à la faire, effectivement, dans notre rythme. Et on a besoin de prendre une parenthèse comme ça pour pouvoir prendre ce recul et cette pause. Alors, peut-être qu'aussi, ben, vous êtes aujourd'hui, peut-être vous êtes seul. Aujourd'hui, je vois de nombreuses personnes qui, effectivement, souffrent de solitude, cherchent le partenaire idéal. On parle de l'âme sœur, on va chercher des choses comme ça. En réalité, souvent, beaucoup de gens sont en souffrance. Même il y a parfois comment dire, il y a vraiment une souffrance, en fait. Une souffrance parce que la solitude amène cette souffrance. Mais cette souffrance, en réalité, c'est que il y a très souvent ce qu'on appelle les dépendances affectives. Et ces dépendances affectives nous maintiennent dans des scénarios, dans des choses qu'on reproduit, qui nous amènent à aller avec des personnes ou dans des situations qui sont parfois nocives et déstabilisantes. Et c'est vrai que le fait d'être à la recherche de ça, eh bien, c'est quelque chose au travers de cette expérience, vous allez le découvrir, qui peut vous permettre, qui va vous permettre de pouvoir reconnecter à des choses essentielles et sentir ce qui est bon pour vous par rapport à ce qui était des scénarios et des schémas traditionnels. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé avec Martine, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de faire le point parfois sur leur vie de couple, qui se posent des questions, qui se disent, on a passé 10, 20, 30 ans ensemble, est-ce que vraiment
notre vie, c'est ça. Et, ou des gens qui sont en couple et qui ont besoin de réaffirmer un projet personnel qu'ils ont, une volonté de construire quelque chose. Et là aussi, dans des endroits comme ça, où on se retrouve connecté à l'essentiel, là, on a des réponses qui sont claires. Et c'est vrai que parfois, c'est important d'être libre, de redonner la liberté à quelqu'un quand nous, on n'a plus envie de faire ce chemin. Parce que maintenir quelqu'un dans une espèce d'emprise, c'est quelque chose de compliqué. Et puis la dernière chose, c'est bon. Donc si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet, vous avez peut-être envie de construire quelque chose, et vous sentez que les modèles qui sont proposés, dans lesquels des générations ont fonctionné, ne correspondent plus à ce que vous souhaitez. Vous sentez porté par une créativité, par une innovation, et vous êtes confronté à ce que vous voyez et ce que vous sentez au fond de vous que vous avez envie d'exprimer. Eh bien, effectivement, vous allez découvrir que des endroits comme le désert sont des endroits qui vous permettent de retrouver cette connexion et de pouvoir effectivement aller à quelque chose de juste et de sentir, d'oser, d'être libéré pour pouvoir agir. Ok. Donc, maintenant, Martine va nous raconter effectivement cette expérience qu'elle a connue tout d'abord. Et ensuite, ben, effectivement, on va pouvoir peut-être… Oui. L'expérience du désert. Alors moi, l'expérience du désert, je ne m'en lasse jamais. Si j'ai choisi d'accompagner, je crois que l'univers est très intelligent et quand il nous amène vers des projets de vie, pour qui que ce soit, il y a une petite idée derrière. Je me suis rendu compte que le fait de masser me permettait de m'ancrer. Et un jour, j'ai découvert que finalement, c'était justement cet univers qui m'avait poussé vers cette activité. Quand j'anime des stages, j'annonce toujours, je pars toujours de l'ancrage, et bien ça me permet de m'ancrer. Et je crois que je suis allée vers ce désert parce qu'il m'a appelée, ma première expérience, il y avait un appel. J'ai reporté ce voyage plusieurs fois parce que je n'avais pas les moyens, je trouvais toujours des raisons. Et lorsque j'y suis vraiment allée, j'ai compris que c'était un appel et que c'était le moment. Je vais en profiter justement par rapport à cet appel. Je l'ai un petit peu abordé la semaine dernière, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là à nouveau, mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'inviter les personnes qui osent cet appel, mais qui le reportent en se disant « j'ai pas l'argent, c'est pas le moment, j'ai du travail, etc. » Si c'est un appel, c'est le moment. Votre âme, c'est mieux que vous, ça. Voilà. Et vous verrez que lorsque vous aurez fait le pas, au retour, vous direz « ben oui, j'ai bien fait d'y aller parce que vous allez découvrir des choses. » Et moi, j'y ai découvert. Déjà, cet appel, j'ai pu mettre en place ces accompagnements. J'y ai rencontré Fessal, avec lequel j'anime aujourd'hui, j'accompagne aujourd'hui. Je veux dire, c'est tout ça qui s'est passé, c'était le moment, et c'est parce que j'ai écouté mon cœur et mon âme. Mmh. Et ça, c'est une invitation à vraiment vous écouter déjà pour faire ce pas. Et puis, ce que le désert permet... J'en ai plein d'anecdotes, j'ai plein d'histoires. J'ai la mienne déjà qui, à chaque voyage, alors aujourd'hui c'est un petit peu plus doux, j'y prends du plaisir avec les personnes que j'accompagne, je prends du plaisir dans ce que je vis, dans la simplicité, l'authenticité. Mais mes premiers voyages, même si j'accompagnais, moi je faisais mon petit voyage intérieur. Et je peux vous assurer qu'il était profond ce petit voyage intérieur. Aujourd'hui, il est un peu plus léger et je suis bien plus disponible pour les autres. Et j'y ai rencontré beaucoup et accompagné beaucoup de personnes, de nombreuses personnes qui ont témoigné de cet avant et de cet après. Qui ont témoigné, alors monsieur qui avait 65 ans, qui est venu deux fois et qui va revenir d'ailleurs, il dit, au bout de la semaine, il dit « j'y ai retrouvé la joie ». Et pendant toute cette semaine, nous avons laissé monter la joie comme des enfants, parce que cette vie, elle est simple, elle est authentique et on est accompagné avec des hommes joyeux. Ce sont des hommes qui n'ont pas les mêmes façons de voir les choses que nous. Et ce monsieur a retrouvé la joie. Sa femme m'a dit « je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais en tout cas,
je reconnais pas mon homme, il est heureux. Et quand il a voulu Oui. y revenir la deuxième fois, elle a dit, va, 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 va chercher, va chercher, retourne-y. Revas-y. Et il va revenir là, pas cette fois, mais une autre, prochainement cette année. Voilà, entre autres. Une personne, Jean-Marc parlait des couples, effectivement, j'y ai accompagné des femmes seules qui se demandaient un petit peu ben, pourquoi elles ne rencontraient pas et qu'est-ce qui se passait pour elles. Donc, il y en a une en particulier qui a témoigné qu'elle était une autre femme au retour et qu'elle était prête justement à accueillir ce que la vie allait lui présenter, mais parce qu'elle a déposé ce qui lui faisait peur. Voilà, parce que le désert permet de laisser émerger ça en toute authenticité. Il n'y a pas de jugement. Il y a la vibration du désert et il y a les accompagnants qui sont à l'écoute sans jugement. Il n'y a pas de risque. J'ai aussi accompagné une femme qui disait, j'ai tout. J'ai tout, je ne sais plus où j'en suis avec mon mari. Donc, elle est venue toute seule. Et voilà, au bout de 3-4 jours, elle est venue vers moi, elle dit, ben, je sais, oui, je sais. Je sais que je suis encore amoureuse de mon mari. Je sais que c'est mon homme. Alors, elle faisait des mandalas. Voilà, elle essaie d'exprimer son cœur. Le fait d'avoir beaucoup de choses dans cette vie trépidante, le fait de passer à côté de l'essentiel et ce voyage, cette parenthèse lui a permis justement de se rencontrer et d'aller connecter son cœur et les besoins de son cœur réel. Est-ce que tu as peut-être un exemple de personnes qui, effectivement, ce qu'on disait, c'est de faire cette pause, de prendre du recul par rapport à leur vie, par rapport à des situations, voilà, par rapport au couple, j'entends, par Oui. rapport à des situations de vie, peut-être même professionnelles, Mais peut-être. la majorité des personnes viennent pour ça. D'accord. Viennent, c'est une, très souvent, c'est un passage, très souvent, un changement de vie, des situations un peu embrouillées, mais on a besoin d'y voir clair dans la vie, dans la profession. Et du coup, c'est un moment, vraiment une vraie parenthèse, C'est parce qu'on ça. n'est pas pollué par l'extérieur, par les amis. Qui parfois vous conseillent Puis Internet, le par téléphone, Internet, voilà. toutes les pollutions qui sont Voilà. aujourd'hui et qui font qu'on n'a pas le temps et qu'on ne se donne pas le temps. Et moi, en tout cas, je me souviens, et je le dis à chaque fois, j'ai été choquée, je me suis choquée moi-même dans ce séjour. La première fois, j'ai oublié que j'avais une famille. Voilà, je savais faire des breaks avec le travail. Mais la famille, les enfants, non, j'y pensais quand même. Et là, au retour à l'aéroport, j'ai réalisé que j'avais une vie en France. Et ça a été un choc, mais c'était un choc bénéfique. C'était quelque chose qui m'avait permis d'être avec moi-même, mes vrais besoins, laisser exprimer. Tout ce que j'avais exprimé, j'y ai déposé. Hein. Il est témoin de plein de choses, ce désert, témoin de larmes, d'émotions. Voilà, je lui ai laissé des choses, mais aussi témoin d'une joie que j'ai retrouvée parce que j'ai beaucoup joué, j'y joue beaucoup. Et témoin d'une authenticité. Je trouve qu'à force, enfin, plus j'y vais, moi, plus je suis. Cette simplicité, cette authenticité qui ressemble et au désert et aux personnes qui nous accompagnent, et à Fessal, qui est un homme de cœur, il ne s'est pas manifesté encore. Donc, du coup, voilà, je l'oublie un peu dans ce parcours, mais il est là, il est bien présent. C'est un homme généreux, authentique, de cœur. Et on n'oublie pas Faisal non plus quand on vient marcher avec nous. Voilà, il a une vibration qui, je dirais, qui aide les femmes à se réconcilier avec l'homme. C'est vrai qu'on va laisser en fait des pollutions qui sont intérieures, toutes ces agitations de notre mental. Et c'est vrai que dans cette parenthèse, on va laisser ça pour pouvoir repartir avec autre chose. Là, c'est bon, super. Pour pouvoir repartir avec autre chose. Et surtout, l'autre chose, c'est l'essentiel. C'est-à-dire surtout cette connexion, cette relation avec notre âme. Parce que la réalité, c'est que très souvent, quand on se pose une question,
Qu'est-ce qu'on fait? On pose une question et on fait l'aller-retour. On demande à notre mental de nous répondre. Et en réalité, notre mental, il n'est pas là spécialement pour nous répondre. Il est là pour mettre en forme des choses. Mais la réponse, elle vient de l'intérieur. Et très souvent, comme on est empressé, on est agité, et je dis souvent, le mental, lui, il a une chose. C'est, le mental, c'est une lanterne qui éclaire le chemin parcouru. C'est l'expérience. L'expérience, c'est une lanterne qui éclaire essentiellement le chemin parcouru. Et votre chemin aujourd'hui, celui que vous allez faire demain, votre mental n'en sait rien. D'accord? C'est votre être qui le sait. Et à partir du moment où vous allez pouvoir aligner cette relation entre votre être et votre mental et retrouver le sens, c'est l'être qui va être en train d'envoyer des choses au mental, qui va pouvoir le mettre en forme, dire, parler, exprimer, créer, mettre, voilà, amener à la création tout ça, ça va changer absolument tout dans votre vie. Ça va être comme une évidence C'est en ça. fait, parce que il n'y a pas d'autres préoccupations, pollution. Vous êtes là, bon, vous choisissez, si vous avez choisi de venir avec nous, vous êtes là avec nous. Il y a des petits rituels qui sont là aussi pour vous mettre vraiment dans votre ancrage, dans votre corps, dans votre présence. Vous aurez des moments seuls si vous le souhaitez. Et ce que je disais tout à l'heure, on échangeait quand je suis arrivée avec Jean-Marc. Nous sommes des garde-fous, c'est-à-dire que vous avez besoin, vous savez que vous déraperez pas, il y a quelqu'un qui est là, dans tous les cas, pour vous écouter. Ça peut être un homme, une C'est femme, ça. en fonction, un thérapeute, et moi avec la mienne, et qu'est-ce outil, avec ce que je suis C'est de ça. l'intérieur, et il y a aussi Fessal, avec ce qu'il est, avec sa sensibilité. Parfois, lui, n'a pas les mêmes outils que nous. Il a ses outils, je dirais, de l'authenticité de l'être qu'il est. Il sait même pas, enfin, il sait même pas, c'est pas pour abaisser, je veux dire qu'il est connecté, il est connecté, il a parfois les réponses, et le simple fait qu'il soit là, hop, vous pouvez aller. Donc vous savez que vous avez à votre disposition des personnes à l'écoute et bienveillantes. Et ce lieu qui vous permet de, je dirais, de vous retrouver vraiment dans qui vous êtes. Vous allez, voilà, vous n'allez pas de comparaison, pas de préoccupation. Vous aurez les réponses pour tout. C'est vrai que quand tu parles de se retrouver, c'est vrai, tous les deux en binôme comme ça, un homme et une femme, il est évident que chacun d'entre nous, dans nos expériences, dans tout le bagage personnel que l'on a, dans notre boîte à outils personnelle de vie, on a des expériences évidemment avec les hommes et les femmes. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir la participation comme ça de deux personnes qui ont, comme tu le disais, des boîtes à outils différentes et qui vont effectivement pouvoir vous amener chacun et chacune quelque chose de particulier. Comme tu le disais, c'est vrai que dans un voyage comme ça, eh bien, vous avez la possibilité, il y a des gens qui ont envie de vivre des choses seules. Et puis il y a des personnes qui ont un peu peur de le vivre. Oui. Et c'est vrai que certaines personnes ont peur de le vivre seules ou d'autres personnes ont peur de le vivre en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est vrai ce que tu me disais, c'est que dans cette expérience, dans ce voyage, dans ce séjour, évidemment, vous pouvez avoir, c'est vous qui êtes libre en fait. Vous êtes dans un environnement où vous allez pouvoir vivre des choses, où effectivement vous serez accompagné par les uns par les autres, si vous le souhaitez, mais vous pourrez avoir des interactions, vous pourrez avoir des interactions avec vous-même, vous pourrez le mettre en forme comme vous le voulez. Vous avez Voilà, le c'est choix, ça. en fait. Vous avez le choix. D'abord, vous avez le choix de marcher seul, seul, seul. Vous avez le choix de marcher avec quelqu'un avec qui vous êtes en affinité. Vous avez le choix de marcher avec nous. Vous avez le choix de marcher en groupe, avec les chamelier, de chanter, avec Fessal. Vous avez le choix. Bouge pas. Juste le Et micro, là. C'est bon, là, c'est pas là, c'est bon, tu peux écouter. Pour tout, vous avez le choix. Et je trouve que c'est très intéressant et très important parce que ce voyage vous permet aussi de retrouver finalement la liberté d'être. C'est ça. Voilà, j'avance à mon rythme, j'avance avec qui je veux, je dépose ce que je veux, je pose autre chose, je pose mes intentions. Tous les jours, il y a des ateliers proposés. Le matin, il y a la méditation, il y a la toilette énergétique. L'après-midi, il y a un atelier en fonction de la demande des personnes, en fonction, on fait des propositions. Et vous avez le choix de tout ça. Le soir, méditation, et puis des moments de festifs, puisque le soir, c'est toujours la fête. On mange autour du feu, on chante, on danse. Voilà, on se raconte des histoires, des poèmes. Et voilà, ça peut être un temps comme la veillée d'autrefois,
Ou la grande fête, moi danse, moi j'aime bien ça. Voilà, donc c'est un endroit où on a le choix. Et je trouve que ça aussi, ça a une valeur importante. Oui, parce qu'on a tous besoin de quelque chose. Et en fait, le but, l'idée de ce séjour, ce n'est pas d'avoir quelque chose de figé dans lequel vous êtes enfermé, dans lequel à nouveau on va entrer dans du contrôle et vous imposer des choses. C'est vraiment de pouvoir faire les expériences que vous avez besoin et c'est vraiment d'aller vers l'écoute de vos besoins, justement, d'être à l'écoute de ça. C'est vraiment au travers d'espace et de l'espace tel que le désert, voilà, de pouvoir être encore plus en prise et rapidement. Et comme je l'ai noté dans le titre, c'est, alors je regarde toujours pour voir si on est toujours là, c'est bon. Comme je le disais, c'est effectivement c'est un accélérateur en fait de transformation. C'est une véritable transmutation en fait que l'on peut vivre dans un contexte comme celui-ci. Et c'est vrai que dans un moment tel que celui que nous vivons aujourd'hui, où de plus en plus de gens sont voilà, sous cette tension, cette espèce d'agression personnelle qu'ils ont, qu'ils ressentent à chaque instant, eh bien, obligatoirement, cette expérience est quelque chose de puissant et qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, donc c'est vrai que le fait de pouvoir avoir cette chose à la carte, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ce qui est essentiel de pouvoir vivre cette expérience, ou même si on est dans un groupe, c'est l'écoute de ses besoins. C'est vraiment, c'est là que tout se passe pour que vous puissiez expérimenter ce genre de choses, pour qu'après, vous sachiez quelle est la différence en fait. Parce que le problème qu'on a de tous les jours, c'est qu'on est, on a notre mental qui est agité, on sait comment il fonctionne. Mais par contre, au travers de ce mental, il y a des informations qui viennent, il y a des choses qui nous viennent. Et ces choses-là, on les laisse de côté, on dit bon, c'est bizarre, ça me paraît bizarre, on laisse ça. Et là, dans des moments comme ça, on peut faire la différence et pour pouvoir revenir et savoir quand c'est que l'on sent et quand c'est que l'on croit ou que l'on pense. Et là, c'est ça qui fait la différence, quoi. Moi, j'appelle ça le baromètre intérieur ou le pendule intérieur. C'est vraiment être à l'écoute de ce qui est là et savoir l'écouter, apprendre à l'écouter. Et là aussi, dans ce, moi, je le fais également en atelier ici, mais là-bas, hop, vous vous posez et si vous ne savez pas le faire, mais on vous apprendra à le faire. Comment écouter, comment sentir quand c'est juste, comment être bien avec ça. Parce que quand on perçoit que c'est juste, on est en paix. Et la paix s'installe à l'intérieur. On s'en fout de tout le reste. Parfois, ce n'est pas logique. Et très souvent, ce n'est pas logique. Mm-hmm. Mais ben, là, ça y est, je l'ai connecté et je sais de quoi il s'agit. C'est ça, c'est une véritable expérience. C'est vrai que j'ai vécu dernièrement moi-même une expérience et dans laquelle, à un moment donné, j'ai une pensée qui est venue. Je me suis dit, bon, ça serait important que je le fasse comme ça. Et puis, je me suis mis dans cette reconnexion. Et là, tout d'un coup, toute l'agitation qu'il y avait sur cette pensée, terminée. Plus rien. Plus rien. Il n'y avait plus rien. C'était limpide, fluide. Ça voulait dire que c'était pas du tout le sujet, quoi. Et derrière ça, ça m'a permis de me reposer, de dire ok, bon, très bien, c'était juste mon mental qui, il y avait une peur qui était venue s'activer, et hop, on passe à autre chose, on l'écoute, on dit ok, c'est pas ça que j'ai besoin, et on peut avancer. Et c'est vraiment ça. Je crois que c'est le fait d'être dans cette expérience de cette semaine, c'est ce que vous allez pouvoir trouver, cette connexion à soi, cette relation et cette comment retrouver le chemin de son âme. C'est vraiment tout le sujet de ce séjour. Retrouver son authenticité, ouais, et je dis la liberté. Moi, j'ai ce sentiment de liberté. Voilà. Et les personnes se sentent libres. Ça fait partie des bénéfices de ce séjour, en fait. C'est, je reconnecte ce qui fait ma vraie valeur. Voilà. Je ne suis pas... Je ne corresponds pas à ce qu'on attend de moi. Je suis juste là avec ma vraie valeur, avec ma pétillance, avec ma lumière. J'ose laisser aller j'exprime qui je suis parce que je risque rien, parce que je suis là pour ça, parce que c'est la démarche. Et à partir du moment où j'ai fait ce pas-là et que je sens que je l'ai connecté, après, je peux l'installer. Une semaine, c'est court et c'est long parce que tous les jours,
je vais aller, je suis là-dedans, je vais aller toucher tout ça, je vais aller l'expérimenter, je vais ressentir les bienfaits et l'intérêt, voilà, d'avoir. Alors, on peut faire des choses tout seul, hein. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin des autres, mais l'intérêt, puisque nous sommes là, l'intérêt, c'est aussi de vous amener à l'intégrer, ça, pour repartir dans cet alignement-là et apprendre à y rester. Alors, la vie, vous le savez bien, on n'y reste pas 24 heures sur 24, mais de plus en plus. Voilà, de plus en plus. Alors, ce que je voudrais faire, c'est je voudrais poser une question, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. Là ? Par rapport, non, mais moi je vais t'en poser une, et c'est vrai que c'est la question concernant la sécurité. C'est vrai que quand on part comme ça dans le désert, la question c'est, bon, voilà, et c'est vrai que ça revient, et je crois que c'est important de le soulever, parce que bon, on peut se poser ce genre de questions, donc c'est pas la peine de vous rester avec ça à l'esprit. Oui, c'est vrai. Et que effectivement vous puissiez être à l'aise par rapport à ça, Claire, et que vous compreniez que tout est OK et qu'on peut avancer, on peut y aller sereinement. Oui, j'ai un couple qui était intéressé là, qui m'a posé la question, la dame m'a posé la question. Voilà, une question de sécurité. Alors, moi, j'ai une formule qui m'appartient, mais que je sens juste, c'est qu'on est en sécurité nulle part ou partout. Voilà. Je suis en sécurité à partir du moment où je suis en sécurité à l'intérieur. Ça, c'est ma sécurité et je suis à l'aise avec ça. Je le crois fermement que nous avons un chemin de vie et que quand c'est le moment, ben, que je sois à Toulouse ou que je sois à Djerba, que je sois dans le désert, voilà, ce moment-là, il arrivera ce que... Alors, c'est pas, comment on dit ça quand on est... Fataliste. Voilà, ça n'est pas fataliste, ce n'est pas de la fatalité. C'est que je sais qu'on a un parcours et qu'à un moment donné, il y a des événements, et on l'a vu de nombreuses fois quand il y a eu des attentats, des gens qui ne devaient pas être là et qui y étaient, ou bien quand il y a eu ici à Toulouse, il y a eu la ZF, enfin, des situations... L'accident d'avion, enfin, voilà, des situations comme ça... qui arrive et vous auriez dû y être et vous n'y êtes pas. Pour moi, c'est juste, c'est parce que ce n'était pas le moment. Donc, j'écoute ça, justement. J'écoute ça à moi. Et même pendant tous les événements qu'il y a eu, tous les attentats, toutes ces choses-là, j'ai toujours continué à faire ces séjours. Je n'ai pas envie de me mettre en danger. Je m'écoute à l'intérieur et je ne mettrai sûrement pas les autres en danger. Deux, j'ai quelqu'un en Tunisie qui m'est cher, que je sais sérieux et responsable, à qui je peux faire confiance et qui ne me mettra ni moi ni les personnes que j'accompagne à danger. Ça, il y a cette sécurité-là. Ensuite, il y a les autorités. Nous devons, chaque fois que nous partons en voyage, en trek, en séjour, on demande une autorisation aux autorités. Et les autorités ont vos coordonnées, c'est pour ça que je demande les passeports, et nous suivent pendant le séjour. Elles ont moyen, bon, maintenant vous connaissez, vous savez tout ça, moi je sais pas, mais voilà, nous suivent et savent vraiment où nous nous situons. Voilà. Et Fessal, qui lui est sur place, bon, peut contacter voilà, les autorités à tout moment. Ouais. Et je dirais qu'à aucun moment, je ne me suis sentie en insécurité. Des personnes que j'ai accompagnées dans ces treks ont écrit et dit eux-mêmes « Nous, nous sommes sentis en sécurité. » Parce qu'il y en a quelques-uns, au moment de Charlie, tout ça, qui sont venus, mais la famille se faisait du souci. Et donc, ils étaient à la fois, ils venaient parce qu'eux sentaient que c'était juste pour eux, et à la fois, ils pensaient un peu à leur famille. Et ils disaient, ah ben, en fait, à la fin du séjour, ils disaient, ah ben, en fait, moi, je me suis sentie en sécurité. À aucun moment, je me suis posé la question. Voilà. Alors, si vous avez très peur, n'allez pas, ne forcez pas, parce que vos peurs, vous n'allez pas les combattre de cette façon-là, en tout cas. Mais si vous avez juste des doutes, moi, je peux vous affirmer que le jour où je pars avec un groupe, ben, je me sens en sécurité. Par contre, je n'ai pas la réponse pour tout le monde. Et s'il arrivait un événement dans lequel je serais aussi prise, ben
il y a parfois, je ne sais pas comment vous dire, c'est que c'est mon heure et c'est que c'est la vôtre, je le dirais comme ça. Voilà. Oui, j'entends. C'est important et je le partage aussi. C'est vrai que parfois, il y a cette volonté de vouloir tout contrôler. Et il y a des moments où voilà, il faut juste lâcher. Vous savez, c'est un petit peu Contrôle rien. quand vous prenez l'avion, vous savez, quand vous prenez l'avion, il y a une chose que vous faites, c'est que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un des moments dans votre vie où vous faites une expérience. Vous êtes obligé de faire confiance à une personne que vous ne connaissez pas, qui va vous amener à des milliers de mètres d'altitude. Et là, et ils sont deux, mais vous ne les connaissez pas, quoi. Et là, c'est plus haut, quoi. Quand ça descend fort, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que y a des moments comme ça où, voilà, c'est se dire, OK, c'est lâcher et se dire, OK, bon, je pars en confiance. Quoi qu'il en soit, comme dit Martine, effectivement, il y a un moment où chacun, ben, c'est son heure. Si demain, c'est de traverser la route et vous ne faites pas attention, quelqu'un vous renverse, ben, c'était votre heure. En tout cas, je crois que c'est important de le souligner de manière à ce que, voilà, vous soyez cool avec ça, qu'il n'y ait pas de problème et que vous sachiez que tout est en place pour, quel que soit l'endroit où on va, de toute façon, aujourd'hui, on sait qu'on peut être confronté à quoi que ce soit. Ben oui, il y a plein. Enfin, moi, j'ai eu des moments, justement, Charlie, des personnes avaient hésité à venir parce qu'il y avait des événements un peu terribles partout. Nous, on a passé un super séjour et puis il y avait Charlie. Quand on est arrivé, on a été très agressés parce que, bien sûr, on ne parlait que de ça. C'était violent, c'était triste. Ben, les gens. J'avais un couple qui avait eu peur de venir. Eh ben, ils sont pas venus avec nous, mais en France, ça n'allait pas très bien, quoi. Je veux dire, ça arrive à Nice, ça arrive un peu partout Bien sûr. aujourd'hui. Et voilà, moi je peux dire que je ne prendrai pas le risque ni pour moi ni pour vous. Fais ça non plus, je le sais. Et après, comme ils disent, inch'Allah. Alors, il y a une autre question en fait, une autre question que je voulais soulever, c'est que c'est vrai que la question c'est est-ce que c'est quelque chose physiquement que je vais pouvoir supporter? Est-ce que ça me demande, voilà, est-ce que voilà, ça me demande de faire vraiment des efforts? C'est moi qui te pose cette question. Est-ce que ça demande effectivement d'avoir une condition physique particulière pour faire ce séjour? Voilà, comment ça se passe en fait? Si les Alors, personnes sont âgées, pas en forme physiquement? chacun. Alors là, je dirais, je ne peux pas parler à la place des personnes. Chacun connaît ses fragilités. C'est ce que j'écris voilà, quand on prend la décision de venir. Chacun connaît sa santé, chacun connaît ses fragilités. Moi, je ne peux pas aller savoir si vous avez des fragilités particulières. J'ai eu une personne diabétique, je ne sais plus quel degré, important. J'ai demandé à ce qu'elle voit son médecin qui lui a déconseillé de venir. Elle n'est pas venue, bien sûr. Par contre, au niveau comment on dit ça, de la forme physique, Condition physique. condition physique, je il n'y a pas que des sportifs et il n'y a quasiment pas de sportifs, en tout cas dans mes groupes, qui sont venus. Des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire du sport, qui peuvent marcher. Nous marchons 3 heures à peu près par jour. Au rythme de chacun. Et j'y ai accompagné une personne qui était en dépression, qui avait un traitement, qui a arrêté le traitement sans en parler. Voilà, elle avait décidé que dans le désert, elle arrêtait son traitement. Le lendemain matin, je l'ai trouvée en train de pleurer parce que, ben, le matin, on ne traîne pas trop et on fait notre petit train, mais après, il faut y aller. Donc, elle sentait qu'elle n'était pas au rythme et je suis allée vers elle et elle m'a expliqué ce qu'elle avait fait. Je ne trouvais pas ça très sérieux. Pour autant, je lui ai dit que, bah, on pouvait l'attendre, que ce n'était pas un problème, que voilà, et qu'on n'était pas, on faisait pas la course. Et elle s'est sentie accueillie dans sa démarche. Elle n'a arrêté ses remèdes pendant le séjour et elle est rentrée chez elle. Ce sont ses enfants qui sont venus la récupérer, qui ont dit, mais on a récupéré une autre personne. Pareil, quand elle est arrivée, elle a pris des décisions pour sa maison, elle a fait des nettoyages, elle a fait plein de choses comme ça. J'ai une dame qui ne me l'avait pas dit, je pense que je ne l'aurais pas amenée, qui faisait des descentes d'organes et on s'arrêtait, elle remontait ses organes. Elle a fait le trek. À partir du moment où elle me l'a dit, bah, on a adapté. Il y a eu des grandes dunes qu'on n'a pas fait parce que c'était trop. Donc, fait ça, adapter la marche en fonction. Mais tout ça pour dire que ça, ce sont des cas quand même assez importants
et qui se sont présentés et qui ont été vécues. Et ces deux personnes sont très heureuses d'avoir fait le trek. Voilà, je crois que tout le monde peut le faire, tout âge. J'ai des jeunes et j'ai des personnes alors âgées, j'ai 70 ans, c'est pas âgé, Voilà, je les bravo. frise. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge, voilà. Il n'y a pas d'âge, non. La question qui était posée, c'est aussi, est-ce que c'est pas trop dur de marcher dans le sable, en Non, fait? Voilà, c'est ça. non, non. Mais voilà, c'est juste Il y en a plein, ça oui, il y en porte. a plein qui se posent des questions. Alors, il arrive qu'on s'enfonce dans le sable, parfois, mais non, c'est pas trop dur. Non, non. Et on marche pieds nus, c'est de la farine, c'est doux, c'est bon, c'est chaud. Voilà. Quand je t'écoute, quand je te vois faire, je me dis, ouais, j'ai l'impression que presque vous êtes dans votre lit. Vous voyez, c'est doux, c'est chaud, c'est douillet, propre, ça marche. C'est C'est ça qui est vrai, magnifique. c'est de la farine, Ah ce ouais, sable-là. j'entends, j'entends. Donc, Ok. c'est. Non. Je crois que je dirais que le bénéfice est tellement important que les quelques inconvénients qu'on peut trouver, par exemple, de temps en temps s'enfoncer dans le sable, parce que oui, de temps en temps ça arrive, de temps en temps marcher sur le sable, c'est un lac salé qui a séché, donc c'est désagréable. Alors là, on met les chaussures. C'est tellement rien à côté de ce qu'on expérimente. Et oui, Et puis on connecte des choses authentiques et essentielles, on revient à des sensations, à une connexion avec la nature aussi. avec la C'est nature, une c'est communion une avec la nature communion. qui fait que tout d'un coup, il y a des choses, je pense, qui On remontent. Hein. entend le vent, on entend on ressent, on l'entend, on le ressent, on est à l'écoute de ça. Il y a quasiment que ça. Il y a pas de brouhaha à côté. On est emporté avec ce rythme du temps. D'ailleurs, je vais vous en parler du climat. Les treks, ils ne se font qu'en période d'hiver. Donc le soleil est doux, il est là, il est bien présent, mais il est doux, il fait du bien, il réchauffe le cœur, il réchauffe le corps. Il y a toujours une brise parce que ben, s'il était un peu trop chaud, ça permet de mieux vivre. Parfois, il fait un peu froid. On se couvre. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait le mauvais temps. Il pleut parfois. C'est ce qui permet au désert de laisser éclore toutes les fleurs et voilà, et de nourrir les arbustes, puisqu'il y a une flore importante qu'on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas croisée. Le dernier live, je disais que moi j'ai dormi au printemps sur des tapis de fleurs odorantes. C'était magnifique. Ça, on n'imagine pas dans le Voilà, désert. on n'imagine pas et on fait ça. Ceux qui sont sur Facebook, s'ils voient les photos de Fessal, ils mettent parfois des photos aussi de la flore au printemps. Et peut y avoir, bon, nous est arrivé d'avoir voilà, une tempête de vent et de pluie. Ça arrive, c'est arrivé une fois. Comme il dit, c'est aussi nous vivons comme des nomades, nous marchons comme des nomades et nous prenons le risque de rencontrer les caprices de la nature. Voilà, elle a ses lois et on marche avec. Et de l'appréhender, de se dire que ça peut arriver et de l'accueillir, ça se passe bien mieux, bien souvent. On fait tout ce qui est tout notre possible pour que ça y ait le moins d'inconvénients possible. Par contre, il y a des fois, on ne maîtrise pas, hein, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça. Et bon, on apprend juste à vous accompagner, à accueillir ce moment qui est un peu moins agréable quand ça arrive. Mais ça fait partie. Moi, je dirais que j'étais contente de l'avoir vécu. Même si une fois c'était très désagréable, ben, je l'ai vécu, je suis là et j'ai pu voir ce que ça faisait de se trouver dans le désert, dans une tempête. Ben, je ne suis pas morte. Il y a une chose, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Mandan Kataria, qui est le créateur du yoga du rire, et avoir fait des séminaires avec lui. Et si vous voulez, le principe du yoga du rire, c'est de rire de tout, et surtout des choses les plus désagréables. Donc il y a tout un tas d'exercices. Et là, je pense que c'est ça, quoi. C'est que je crois que toutes ces situations qu'on peut vivre, qui sont, entre parenthèses, inconfortables,
Et parfois, c'est inconfortable. Voilà, c'est ça, non confortable. Disons que c'est évidemment, ça nous ramène à notre attitude aussi devant toutes les situations inconfortables de notre vie. Quoi. Mais tous ensemble déjà. Exact, voilà. Mais voilà, on est tous ensemble. Et ce qui se passe, c'est que dans une situation comme ça, c'est des moments où effectivement, on a la possibilité de pouvoir expérimenter des choses. C'est-à-dire de pouvoir dire, OK, bon, ben là, on va se marrer, il faut qu'on en rit. C'est tellement risible, il faut qu'on en rit. Et moi, cette nuit-là, j'ai voulu dormir sous la pluie. Donc, on a des couvertures de survie. J'avais mis ma couverture de survie et il ne faisait pas froid. Et je sentais la pluie couler sur mon visage. Et c'est une expérience que peut-être je ne referai jamais. Et je suis contente de l'avoir fait aussi. Bien sûr que... pas totalement confortable. Quand je me suis réveillée, ben, j'avais les cheveux mouillés. Il y avait même ce que je me servais d'oreiller. C'était mon blouson, il était mouillé. Mais bon, on a en rit aujourd'hui. On a en rit. Et ce qu'il y avait de beau, c'est que quand on a pris le taxi, parce que chaque fois, c'était le dernier jour. Et on a pris le taxi et il ouvrait les fenêtres et il disait « Santé !» Regardez les fleurs en train d'éclore, regardez les arbres. Ouais. C'est comme si on redonnait la vie à la nature avec cette pluie. Bon, ça fait oublier notre inconfort aussi, ces choses-là. Voilà. Alors, il y a une autre question, c'est effectivement, on en a parlé, quelqu'un a soulevé ce genre de choses, c'est que, c'est dommage parce que je n'ai pas prévu le truc. Quoi. C'est-à-dire que c'est génial, j'en aurais vraiment besoin. Et ça, je ne l'ai pas prévu pour 2019, donc je le ferai en 2020. Quoi. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, par expérience, écoutez votre cœur. Là encore, écoutez votre cœur. Si vous avez un élan, c'est un peu comme pour tout, hein, si vous avez un élan du cœur, j'ai pu expérimenter le fait de dire non par ce que j'appelais de la sagesse, pour être raisonnable. Et combien je l'ai regretté parfois d'avoir été raisonnable, combien ça ne m'a rien enlevé. On peut peut-être parler d'argent, des fois je dis je ne vais pas là ou je ne le fais pas parce que je n'ai pas l'argent et finalement je n'ai pas plus d'argent. Et le désert m'a permis ça aussi, c'est-à-dire que au moins deux fois, j'ai dit oui au désert parce que je sentais juste. Et bien, derrière, j'ai eu l'argent qui est arrivé pour assumer ce que j'avais assumé. Et aujourd'hui, je me dis, mais si je ne l'avais pas expérimenté à ce moment-là, je sais que je serais passée à côté de certaines choses. Parce que mon voyage, à force de le reporter, lorsque je l'ai fait, la première fois où j'ai fait cette rencontre avec le désert et cette rencontre avec Fessal, je pense que si je n'avais pas passé le pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Et trois semaines après, je refais la même chose parce que j'avais besoin d'aller vérifier ce que j'avais vécu la première fois. Je n'avais rien prévu, je n'avais pas l'argent, j'avais des rendez-vous, j'avais peur. Ce n'était pas raisonnable. Et c'est quelqu'un que j'accompagnais qui m'a dit « Tu devrais faire ce que tu dis aux autres. Vas-y, je m'occupe de ton billet. » Et je suis partie. Et là encore, c'est pour ça que je suis là. C'est à chaque fois, j'ose y aller, j'écoute mon cœur. C'est pas un caprice, écouter son cœur. C'est une information de l'âme. Hein. Je suis poussée là. Il faut apprendre aussi un peu à faire la différence, peut-être avec un caprice. Mais quand je prends cette décision-là, qu'est-ce qui se passe pour moi là? C'est un élan du cœur. J'ai besoin d'y aller, j'y vais. Et la vie, elle nous fait que des cadeaux. Donc, si j'ose aller parce que je réponds à ce besoin, la vie va m'y accompagner. Et je dis souvent, je comprends mieux aujourd'hui le terme « aide-toi, le ciel t'aidera ». J'ai appris ça avec un cheminant. Mais oui, effectivement, je mets un pas et la vie, elle me pousse, elle me met un petit coup aux fesses pour que j'avance. Il y a une chose que je rajouterais dans ce que tu dis, c'est que la question, c'est de se poser, si vous aviez tout le temps et tout l'argent, est-ce que vous viendriez ? C'est ça la même question. Parce qu'en fait, toutes les questions qu'on peut dire, ah mais j'ai pas le temps, parce que j'ai X raisons, hein, d'accord, ça peut être le travail, l'organisation, les enfants, la famille, peu importe, ou l'argent, et là j'ai pas l'argent, donc est-ce que j'irai? Donc à partir du moment où vous répondiez oui, j'irai, ça veut dire que si on sort tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous dit oui en vous. Donc déjà, c'est un bon élément. Alors, un autre, donc on a parlé de... Peut-être pardon, un peu, oui. Je ne sais pas, tu vois toi Alors, si... effectivement, donc on a eu... Oui, est-ce qu'on dort à plusieurs
ou seul dans les tentes? Alors, on propose le bivouac. C'est une expérience. Les personnes qui enfin, j'ai rencontré plein de personnes qui hésitaient. Et après notre invitation, on dit ben, ok, j'essaie. Et quand on essaie le bivouac, on veut plus de tente. Si vous souhaitez une tente, vous pouvez avoir une tente. Il y a la grande tente nomade où on peut dormir à Le bivouac, plusieurs. excusez-moi, le bivouac, c'est quoi? Le C'est à la Belle Étoile. D'accord, ok, voilà. À la Belle Étoile. Okay. Voilà. Alors, à la Belle Étoile. Quelqu'un m'a posé aussi la question. Vous avez un matelas qui est fourni, qui vous est fourni, hein, un matelas un petit peu épais comme ça, avec une couverture sur le matelas, et ensuite vous couchez avec le duvet, et vous avez une ou deux couvertures par-dessus le duvet qui vous est fourni. Voilà. Après, il faut avoir un bon duvet, il faut avoir des bonnets, il faut avoir des gants, il faut bien se couvrir. Voilà, il fait très froid la nuit, mais c'est une magie de vivre la nuit sous le ciel étoilé. Voilà, c'est l'hôtel aux mille étoiles. On entend les bruits de la nature, on voit le ciel étoilé. C'est magique, c'est magnifique, il faut le faire au moins une fois. Et quand on invite à le faire dès le premier jour, ben c'est qu'après, on peut en profiter tout le temps. Et si le premier jour, on sent que ce n'est pas OK, ben ce n'est pas OK. Donc après, il y a une grande tente nomade, vous pouvez dormir là. Vous ne serez sûrement pas seul. Peut-être oui, si tout le monde veut dormir à l'extérieur. Et puis, à veille de partir, quand même, moi, je vous envoie, je vous écris et je vous demande si vous souhaitez dormir seul, en tente, sous tente. Alors, on prend toujours une ou deux tentes au cas où il y a un malade, au cas où quelqu'un change d'avis. Mais après, si par exemple, tout le monde veut une tente, voilà, il faut prévoir ça. Donc, vous pouvez être seul ou à deux sous les petites tentes. Et après, il y a la tente nomade où tout le monde dort, où tout le monde peut dormir. Et le bivouac. Ce que je voudrais faire, c'est de vous expliquer effectivement, reparler de l'offre qu'on a mis en place tous les deux. C'est-à-dire le fait de pouvoir partir ensemble par rapport au fait qu'on a trouvé qu'on avait vraiment, évidemment, des personnalités différentes, on a des approches différentes, on travaille sur des domaines différents, mais qui sont complémentaires, avec un même objectif et avec une attitude de cœur en fait qui est la même. On a ce même élan et cette même quête, recherche et ce même également désir de ne partager que ce qu'on a expérimenté. Ça, c'est vraiment important, c'est de pouvoir être en train de partager avec vous jusqu'où on a été sur ce chemin. Le but, c'est pas de faire une grande formation ou vous transmettre des grands principes, mais c'est plus de vous amener nos outils, évidemment, en tant qu'accompagnants, mais également nos expériences. De pouvoir vous dire, ça, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne. On a verrouillé des choses. Et puis, il y a des choses, effectivement, des outils qui vous êtes donnés. Vous avez besoin de faire vos expériences également. Ce n'est pas parce que nous, on a fait les nôtres que ça vous prive des vôtres. Au contraire, mais vous donnez les outils pour pouvoir faire les vôtres et les faire le plus facilement, le plus aisément, le plus confortablement possible. Ça, c'est la première chose. Donc, de pouvoir également amener donc, ces compétences durant ce séjour. Alors, c'est un peu unique parce que Martine donc, a l'habitude de partir seule et souvent, les gens qui partent partent seuls. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de mettre en place et vous convier, et convier toutes les personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure dans les jours et les semaines qui arrivent, à vivre ensemble pendant ce séjour. Une expérience où on ne sera pas plus de 15 personnes. Ça, c'est quelque chose qui est important. En dehors de nous, donc on sera en fait 17 avec nous, et de manière à pouvoir être, vous permettre d'avoir cette disponibilité à vous-même, mais de pouvoir aussi avoir cette disponibilité si vous avez besoin de personnes, de quelqu'un qui soit à côté de vous, qui vous aide à franchir un cap. Parce que dans ces séjours-là, obligatoirement, on est confronté à des tas de choses. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin que quelqu'un nous permette de le passer. Dans la vie de tous les jours, on ne peut pas avoir quelqu'un sous la main comme ça qui va réagir, qui va pouvoir faire quelque chose, vous aider. Mais là, vous aurez effectivement cette possibilité. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de juste avec cette aide. Et puis tout ce dont parlait Martine, les ateliers, les différentes méditations, enfin tout ce qui est le cadre, avec également ce dont on a déjà un petit peu parlé, c'est évidemment cette grande souplesse. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir quelque chose, un cadre fermé, mais quelque chose qui va plus être dans l'accompagnement et par rapport à ce que vous aurez besoin sur un plan collectif ou à titre individuel.
Le tarif est à 800 euros. Dans ces 800 euros, le voyage n'est pas compris. Nous n'avons pas parce que nous n'avons pas le droit de, voilà, nous ne sommes pas une agence, nous n'avons pas le droit. Alors jusque-là, je croyais que je n'avais pas le droit de prendre les billets d'avion. Je n'ai même pas le droit aujourd'hui d'organiser. Je suis en train de mettre en place, mais c'est un service que je vous rends là. Je dis je puisque j'ai l'habitude hein, et Bien que sûr, bien Jean-Marc sûr. est un intervenant. Sachez que je n'ai pas le droit d'organiser. Donc je vais quand même vous dire ce soir ce que et que l'association doit prendre une forme différente pour ça. Donc il y a le billet d'avion à part en fonction des moments, il est cher ou pas cher. Donc plus tôt vous le prendrez, je pense, mieux c'est. Il y a des périodes où il y a le direct et des périodes où il n'y a pas le direct. Ça, on en échange ensemble quand c'est le moment. Et dans les 800 euros, il y comprend tout le séjour. Le séjour, c'est arriver à Djerba, retour, enfin, à l'aéroport de Djerba, retour à l'aéroport de Djerba. C'est-à-dire, il y a le taxi, il va y avoir le restaurant, l'hôtel, parce qu'en fonction des horaires, eh ben, on ne peut pas partir dans le désert si vous arrivez à 4 heures de l'après-midi. On est à 5 heures de route. Il y a le bac. Il faut traverser le bac puisque c'est une île. Voilà. Il y a des heures auxquelles on ne peut pas partir. Donc, on va rester la soirée. Si vous êtes plusieurs, par exemple, là, je pars pour le premier de l'an. Il y a des arrivées toute la journée parce qu'il y a des arrivées de partout, de la Belgique, de la Suisse, de Marseille, de Nice. Donc, il y en a qui arrivent à midi, d'autres à 14h, d'autres à 17h, d'autres à 22h. Donc, on ne partira que le lendemain matin. Donc, toute la journée, ben, il y a des repas, il y a des… Voilà. Et tout ça est compris. Il y a donc le séjour avec la petite équipe. Vous êtes nourri, vous êtes logé, vous avez la présence de Fessal, vous avez la présence de l'équipe qui est là pour nous faire les repas, les dromadaires. Nous avons le taxi qui vient nous chercher à l'aéroport. Nous avons le taxi qui nous amène jusqu'au désert, qui nous ramène du désert à Djerba. Le prix des autorisations aussi. Voilà. Et nos interventions, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, mais ouais, les Et nos interventions, elles sont interventions comprises dans qui sont comprises les dans. 800. Alors, je pense que. Je ne sais pas si c'est le moment de l'annoncer, mais en tout cas, nous essayons d'être au plus juste avec nos tarifs. Et je pense qu'en octobre 2019, nouvelle saison, nous réviserons, nous revisiterons, nous réajusterons nos tarifs. Donc Voilà. profitez-en là parce qu'il y aura peut-être un ajustement, voilà, Un réajustement. qui sera un petit peu différent. Voilà. Et donc je pense Pour que ça plein de voilà. raisons, hein, parce que là, vraiment, la Tunisie, la vie augmente énormément, le pouvoir Bon, donc d'achat. profitez de ce qui est là. Plus tard, ben, ça ira d'autres tarifs. Mais en tout cas, vous qui êtes en train de nous écouter, profitez-en durant cette période qui est encore avec des choses très attractives. Voilà. Alors, je pense que on a. Ah si, je voulais dire quelque chose, effectivement, c'est que vous avez. Alors, au niveau des dates, vous avez un lien qui est sur la page de l'événement. Où il y a marqué Jean-Marc Vidal, Marche Nomade, etc. Vous allez arriver sur une page sur laquelle vous avez toutes les dates. Donc, on a marqué les dates. Alors, les dates, c'est un départ pour le 20 jusqu'au 27 janvier. Ça, c'est le premier départ. Et l'autre, donc, j'ai vu, c'est le 3 février, c'est ça? Du 3 au 10. Du 3 au 10. Voilà. Donc, ce cas, vous avez ces dates qui sont marquées. Puis un petit compteur comme ça vous permet de voir le temps. Vous pouvez donc vous inscrire. Il y a un endroit où vous pouvez mettre vos coordonnées. Vous pouvez mettre. Également, la date qui vous intéresse, c'est important parce que ça permet de voir effectivement comment organiser tout ça. Et puis, vous pouvez laisser aussi votre téléphone si vous souhaitez qu'on vous rappelle pour avoir des informations. Vous pouvez également, quand vous allez cliquer, vous allez voir, vous arrivez sur une page, vous aurez des informations sur les téléphones et tout. Vous pouvez contacter Martine, vous pouvez me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez revenir faire nous. On est tout à fait disponible et pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Moi, il y a des choses évidemment sur le désert que je ne pourrais pas encore vous donner aujourd'hui, mais Martine nous donnera. Par contre, sur d'autres choses, on pourra en parler par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez sur ce voyage. Eh bien, on pourra le Alors, préparer. pour le voyage du vin, si des personnes sont intéressées pour ce voyage du vin, je dirais, prenez vos billets maintenant, enfin, manifestez-vous maintenant, c'est le moment. Hein, voilà, c'est le moment. Ouais, il faut faire les choses maintenant, mais. Voilà. Manifestez-vous, demandez voilà, ce qu'il Des faut pour informations, des voilà. Prenez toutes les informations, prenez toutes informations les pour vraiment informations, tout bien et préparer. si vous êtes OK, prenez le billet, parce que voilà.
et prenez-lui. Et puis après, il faut aussi s'inscrire et voilà, c'est important. Ok, donc également, bon, vous recevrez effectivement tout ce qui est nécessaire pour l'organisation, les différents matériels, enfin, les matériels que vous aurez besoin. Vous aurez également une fiche d'inscription, une information avec également tout ce que vous avez donné de manière. Voilà. Vous allez tout recevoir. Donc, dès que vous inscrivez, mettez votre mail. Vous pouvez nous écrire et mettre ce que vous avez besoin. Enfin, Ah, on aimerait bien vous. mais tu vois, Ah! il a un décalage d'une heure, c'est pas possible. Alors, Fais ça, je Faisal. sais pas si vous pouvez le lire, ce que disent les autres. Alors, vous voyez effectivement Faisal qui a marqué On vous attend, nous et les nous et les étoiles. étoiles. Bon, il n'a pas pu en mettre 1 000 à des milliers, mais ils y sont. Hein, donc. Parce qu'en fait, Ah, ah, le voilà, le voilà, le voilà. allez, on veut te Voilà, voilà, montrer. voilà. On va te mettre à l'écran. Et je vais t'offrir une montre. Tu peux monter un peu le son? Tu peux monter un peu le son? Allez, tu peux monter un peu le Je son? crois Bonsoir, que. Faisal. Attends, j'y arrive pas. Allez, Voilà. Maxi. Je Alors, vais attends, te alors, attends, mettre. attends. Juste une chose, bouge pas. On va te mettre le Vas-y. micro Voilà. et on va te mettre face C'est au. dessous qu'il y a le son. Vas-y, vas-y. Allez. Allez, tu le mets face pour qu'on le voit. Voilà. Hop, Voilà. mets-le bien en face. Hop, comme ça. Voilà. Tu vois? Parfait. On Allez, t'écoute, vas-y. Faisal. Allez, bonsoir tout le monde, ça va? Et alors, on a vu, Jean-Marc a vu que tu parlais de la sécurité, on ne le retrouve pas. Est-ce que tu peux parler un peu de la sécurité? Alors, je vous écoutais bien et merci pour votre partage avec le désert. Et donc, surtout, on parle pas la sécurité, c'est important de poser les questions pour la sécurité. Et alors, la sécurité, alors, vous êtes sécurité avec nous-mêmes et avec l'univers et avec la lumière et avec Dieu aussi. Donc, nous sommes tous une famille. On va partager ce jour-là ensemble et on va vivre cette expérience-là. Et donc, on est dans la main de Dieu, dans la main de l'univers, dans les mains de l'humanité, de la paix. Et voilà. Donc, on est tous des familles. On va partager ce jour-là ensemble. Et voilà. Ok, merci Ouais. Faisal. Donc on est en Ça va? sécurité. Quand on est avec vous, avec toi, on est toujours en sécurité. On va mettre la sécurité l'un à l'autre. Ça veut dire, nous sommes tous responsables de nous. Et comme on va vivre cette vie ensemble, c'est une vie de famille, alors c'est notre sécurité, c'est la première chose, c'est nous, soi-même. Ça veut dire, c'est nous qu'on va faire la sécurité pour nous. Pour le désert, pour nous, pour le dromadaire, pour tout. Et voilà. C'est vrai que je les ai oubliés, les Ok. dromadaires, moi. Je n'en ai pas parlé des dromadaires. Et nous avons une petite équipe de dromadaires. Il fait bien d'en parler. Je les aime, mais ils font partie tellement de la vie que j'oublie qu'il faut en parler. Bon. Ok. C'est ça, on va. Alors, je pense que là, on est à. Tu as quelque chose d'autre peut-être à rajouter? On va. Parce que là, on va peut-être On va clôturer. clôturer cette soirée. Voilà, on On te va. laisse repartir avec l'écriture là et nous on Ok. clôture. Et je te rappelle après. Voilà. Alors, moi, soyez bienvenus. On vous attend. Nous, et les étoiles, et les déserts. Tout ça, c'est sûr. Et moi, j'ai confiance. On va passer une belle semaine ensemble. On va bien ressourcer. On va bien être. Et ça, c'est le but. Qu'on soit nous partagés ensemble, on va vivre une belle expérience ensemble. Et voilà. Comme d'habitude, Super, comme super. d'habitude. Fait ça, là, l'habitude, effectivement, de tout ce périple. Et il, voilà, et effectivement, donc, on va. Pardon, on va être au paradis, ok, c'est pas entendu, on va être au paradis. Merci, Faisal, merci beaucoup. Écoutez, alors, donc, mais ce soir, on va. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, écoutez, on va vous laisser sur ces quelques mots, effectivement, avec rendez-vous au paradis, effectivement. Il nous amène au paradis, finalement, ça va être le paradis sur Terre. Et en tout cas, Allez, je te laisse aller avec les autres. avec Martine, on sera heureux de partager ce moment de vie avec vous et ce moment qui est un moment exceptionnel et qui sera un moment exceptionnel pour chacun d'entre nous, qu'on soit accompagnant ou participant. De toute façon, on a chacun une expérience que l'on vit dans ce genre de séjour C'est sûr. et qui est de toute façon une expérience intérieure
elle est toujours, elle se renouvelle. Et effectivement, toutes les rencontres, quel que soit l'endroit, sont des moments forts. Mais dans des endroits comme le désert, comme je dis, tout ça, c'est un accélérateur. Ça serait bien de pouvoir, vous savez, vous offrir le livre des partages. Parce que vraiment, oui, il y a un avant, un après. Je crois, enfin, en tout cas, je sais que j'en parle avec mon cœur. Il vous en parle avec son cœur, mais le vivre, ça a une autre, encore une autre force, une autre portée. Ce qu'on peut vous dire n'est rien à côté de ce que vous pouvez vivre. Et voyez, en vous disant ça, ça me fait penser, je le dis à chaque fois, mais parce que c'est une réalité que je l'ai vécue, d'une jeune fille, parce que je l'aime ce désert. Et j'aime ces hommes, et j'aime aller dans le désert, et j'aime ce que je fais, donc je ne peux qu'en parler avec amour. Et un jour, je me disais, en marchant, peut-être j'exagère et que j'amène des gens vers mon délire, et que voilà. Et cette jeune fille marchait à côté de moi, elle l'a fait deux fois le trek, et elle me dit, Martine, tu peux toujours parler du désert comme tu en parles, parce que je vis ce que tu nous racontes bien au-delà même. Donc j'aime bien le rapporter, parce que voilà, c'est indescriptible. Si vous avez envie, si vous avez choisi, il y en a pour qui ça ne convient pas sûrement. Mais si vous êtes là, c'est que quelque chose vous appelle en tout cas. En tout cas, merci de vous être joints sur ce live. On va vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Ce que je disais, je vais faire une petite vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas souhaiter mes vœux. Je vais poser la question aux gens. Je vais dire quels sont vos besoins pour cette année 2019. Donc, ce que je vous dirais, eh bien, c'est quels sont vos besoins pour cette année 2019 ? Et c'est ça que je vous souhaite, c'est de les réaliser. Voilà. Moi, je vous souhaite plein de belles choses aussi, plein de maturation, de réflexion, et écoutez bien votre cœur. Mmh. Et moi, je vais l'écouter dimanche, je pars dans le désert. Tac. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été là.